dans le carré d'or est le prochain objectif de l'équipe nationale de football. Même si l'adversaire en huitième de finale reste quand même la Côte d'Ivoire. Les préparatifs pour ce big match des capés de Djamel Belmadi se poursuivent dans le calme et le sérieux. Et tous sont conscients de l'importance de ce rendez-vous. Ça va être un autre très beau match à jouer. On va tomber contre une belle équipe de Côte d'Ivoire. Voilà un grand d'Afrique. On sait que ça ne va pas être chose facile. Mais voilà, jusqu'à maintenant, on a montré de belles choses. On a été très solide dans les deux zones, offensivement comme défensivement. Voilà, faut continuer sur cette lancée-là. Ce rendez-vous face à la Côte d'Ivoire sera très différent des autres matchs disputés entre les Fennecs et les éléphants ivoiriens, les Verts qui veulent, coûte que coûte, faire rêver un peu plus les supporters présents en Égypte ou qui les suivent en Algérie et de par le monde. والله الدعم تاعهم راح يساندنا ويعطينا اكثر عزيمه واكثر اراده ان شاء الله يا رب نفرحوا الشعب الجزائري اللي يجي الملعب واللي يراه في الجزائر يتابع المباريات سمعنا لبنا بلي راهم جايين ديجا نشكرهم على الحضور هادو اللي ساندونا من اللي بدات الكوب دافريك ما ملي ما جاو شفنا في لي ريزو نشكرهم ونقولوا لهم كملوا معنا ان شاء الله نجيبوها ان شاء الله. La dernière séance d'entraînement des Verts avant leur huitième de finale ce mercredi après-midi sur le terrain du stade Petrosport avant le déplacement des Fennecs à Suez le jour du match.